Jermaine, je parle doucement parce que mon recette est dehors. T'as vu, j'ai fait au nez, côte. Qui fait au piercing. Non, c'est pas du vrai, non, non. J'ai fait tout semblant, je voulais voir comment ça fait. T'as fait bizarre. Tu sais, on dirait quelque chose qui gêne, quoi. Ben, comment tu vas, toi? Moi, ça va. T'as vu, j'ai pas mis les couleurs. Non. Tu devrais être en vacances. Hein. Et que j'aurais mis les couleurs. Mais je suis pas en vacances. Je mets pas les couleurs. C'est pour montrer que je suis triste un peu. Un petit peu, quand même. Un petit peu triste. Alors, j'ai dit, j'ai fait le deuil. Les yeux, ils font le deuil. Petite vacances. Ouais, ne mette pas la couleur. Tu restes toute comme ça. Et je laisse le piercing. Comme ça, tu mets la chaîne, tu sais, puis tu me traînes. C'est un peu triste quand même. Je me dis, là, je devrais être au baptême parce que j'étais marraine. J'étais toute la marraine, moi. Alors, ils ont annulé le baptême. C'est triste, hein. Tu sais, à cause d'une porte. Comment quoi? Quelqu'un, c'est Germaine? Ouais, je suis toute là. Je suis pas en vacances, hein. Non. Je t'ai dit hier, hein, la porte était cassée, elle est encore cassée, hein. Mais bon, il n'y a personne, il est rentré la nuit. Non, il n'y avait pas de loup. Rien du tout. Et la Morissette, elle est là, elle est contente. Tu dis bonjour, Morissette. Bonjour. Alors, t'es contente, hein? Ben oui. Je l'aurais pas laissé avec la porte ouverte. Hein. Après, quelqu'un, il la pique. Hein, Morissette? Ben oui. Tu voulais pas être piquée? Ben oui. Non, j'ai tout peur. Mais tu pourras pas faire la fête maintenant avec le René, l'Hippolyte et puis le Jean-Paul. Ouais, c'est un peu bête, mais tant pis. Bah, peut-être tu te laisses faire un repas sur la terrasse. Tu vois? Merci! Et tu vois, je suis gentille quand même. Ben, c'est les vacances, hein? Oui. Et je devrais être loin, toute loin de toi. Oui. Hein? Je suis contente. Tu es contente? Elle est contente, alors elle est contente et moi je suis contente aussi, alors, hein? Ben, j'espère que tu vas bien. T'es en vacances, toi? Peut-être pas, il y en a, ils m'ont dit, il n'est pas en vacances. Rosa n'est pas en vacances, non. Ils sont aussi à la maison comme moi. Oui, ça fait rien. C'est les vacances dans la tête, hein. Oui, on est bien à la maison. Titudou. Titou chez nous. Bon, j'irai en vacances une autre fois. Alors là, j'y travaille, tu sais. J'ai mis les paillettes. Oh, j'ai sorti tous les pigments. Je vais te mettre la photo. Tu veux que je te mette la photo? Je sais pas où je vais te la mettre, la photo. C'est là, du côté là. Tous les pigments que j'ai achetés avec les paillettes et tout. Oh, c'est tout beau. Ah oui. Je me suis dit, tu sais, avoir les petits bijoux pour la fête et tout, tu sais, de la Noël et puis du Nouvel An surtout, c'est bien, hein. Et donc, quand c'est les fêtes comme ça, je sais, c'est loin, mais c'est près quand même, tu sais, ça va vite. Ça va tellement vite qu'après, je n'aurai plus le temps. Et Morissette, elle a dit, elle veut des bijoux avec les paillettes. Hein, Morissette? Oui, elle aime les paillettes. Elle aime bien les paillettes, tu sais, elle aime les stress. Elle aime tout ce qui brille, tu sais, à des bleus, des verts, j'ai tout pas ça, hein. Moi, j'ai du métal, c'est de l'or et de l'argent, du vrai, hein. J'achète pas les paillettes, tu sais, aluminium comme ça, non, je trouve que, après, quand ça vieillit, ça perd, tu sais, toutes les paillettes, ça brille tout de suite. Il faut acheter les paillettes de qualité seulement, hein. Alors, je vais mettre ça et je vais mettre de la nacre. Tu sais, tu dis nacre. J'ai même des perles de culture, mais c'est des vraies, hein. Elles viennent de vrais coquillages avec des petites boules d'or. C'est de l'or à 18 carats. C'est tout du vrai, quoi. C'est pas comme ma mère disait de la couette. Donc, je vais faire tout ça et je vais te montrer. Peut-être je te fais des photos un petit peu, là. Je sais pas, je vais voir, hein, peut-être. Bon, en tout cas, je voulais te faire le bonjour du dimanche, tu sais. C'est le coucou du dimanche. Parce que c'est important de faire les coucous.
Tu sais, souvent, on dit oui, mais les gens, ils savent qu'on les aime, qu'on pense à eux. Non, je crois qu'il faut dire. Parce que des fois, on est bien, des fois, on est moins bien. Donc, quand tu fais le coucou et que tu dis, je suis là, je pense à toi, ça fait du chaud au cœur, tu sais. Alors, je te fais le bisou, hein, et puis, je te dis, tu passes une bonne journée si le dimanche, on travaille pas normalement. Bon, moi, je travaille, mais c'est pas pareil, hein, le travail de moi, c'est dans les paillettes, hein, c'est agréable, je dirais. C'est salissant, mais c'est agréable quand même. Donc, je te fais un gros poutou, tu sais. Je pense très fort à toi. Je t'aime beaucoup, tu sais. Donc, tu fais un bon dimanche, hein. Tu es bien, tu te reposes, tu prends soin de toi surtout, parce que moi, je tiens à toi, hein. Je te fais des gros poutous et tout. Tu me manques déjà, je t'aime beaucoup. Poutou, 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 poutou. J'ai vu, j'avais un petit bout d'abricot dans les dents en bas. Tout le temps, je l'ai eu. Et Mauricette, elle m'a pas dit. Ah oui, j'ai mangé les abricots. Tu sais, j'ai mangé les abricots le matin. Oh, je suis désolée, ça fait pas beau. Ça fait tout un petit bout comme ça. Bouf! Je l'ai plus. Petite belle, quoi. Petite fois, j'ai fait le gros poutou. C'est la Mauricette, elle est en train de ranger les choses dans la cuisine. Elle fait les petits farcis. On va se régaler ce soir, on n'est pas en vacances, mais on va manger comme si on était en vacances. Bon, je te fais le gros poutou, je te souhaite de passer un bon dimanche, d'accord? Je te dis à demain pour le coucou du lundi. Prends soin de toi surtout, tu me manques déjà. Poutou, 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 poutou.